de M. V. Pas rien fait passer Pétionville, descend en bas. Oui, il a descendu. Mais faut une pause chita Pétionville. Faut une pause Pétionville. Pas de couilles montées, couilles descendent. De manière pacifique, mais active. Faut une campée dans la ville là. Chita, ouais, chita. L'acheter une boisson nous nous boit. Ouais. Parce que, en aucun cas, personne ne peut couper le territoire en deux. À savoir que j'écoute une bacalie. Oui, soleil, pas qu'à lever Pétionville. Ouais, n'a pas ça. Mon message est clair. Dans le nord de Haïti, nous avons tous les dirigeants politiques, tous les militaires qui ont boumé, pour nous dire, nous, hypocrites, qui toujours veulent nous passer pour des violents. Même gens, pendant près de 40 ans, et je dis encore, je finis tous les Dessalines qui sont rebelles. Il t'a posé des questions sur le système. Non. Vous devez passer pour un petit vagabond comme violent. Je vais faire nous passer comme violent. Je veux dire, dans le pays, où vite magasin cassé, pire important que leur fusion au monde à bout portant. C'est inacceptable que je dis, pour la police à bout portant, fusiller Fédé Vladimir, de fusiller Choubi, Pensier. Je fusille Christensen, Charles, tout tellement hier. Mais ça va faire gros titre dans la presse. Parce que ce sont des laissés pour compte. Ce sont des oubliés. Mais cependant, tout focus la mettait sur quelques vite écrasées. Ou non, nous ne sommes pas d'accord que les pillés, qui écrasent vite machine, qui écrasent les magasins. Mais si nous dénonçons ces violences, on dénonce ces violences-là, quel que soit à côté de ceci. Je veux dire, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la vie humaine. Je veux dire, comme si, de mon société solaire qui doit mourir, son chien lié. De mon société solaire qui doit mourir, son chien lié. Oui. De mon bagou, nous, son chien lié. Nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Et nous demandons des filles là, qui veulent faire peur de passer pour violent. Nous disons, nous ne sommes pas violents. Nous sommes en colère. En colère. Nous sommes des rebelles. Nous sommes en rébellion. Nous sommes en rébellion contre le système d'apartheid qui met notre tête yo. Après yo, c'est yo. Et que 95% de richesse pays a un homme. Ils sont tous pays. Je profite de parler avec quoi que je t'ouvre, me tendez. Qui nous réunion avec Forum économique qui décide de mettre veto. Gagne qui soit 10 en Égypte. Gagne l'autre qui soit en Égypte. Qui a fait avion ici de la régler. Nous avons 3 octobre. Nous avons compte nous. Votre pays a compte nous. Il y a compte nous, mon cher. Oh non, goodbye, mon cher. Vous même besoin compte nous pour me citer. Vous parlez de casque à blouer avion ici là? Casque à blouer hélicoptère, vous parlez de non? Écoutez. Ton folle, non. Écoutez. Monsieur Dame Sayo, ou monsieur Sayo, qui mettez veto pour Jovenel parler. Parce que vous avez défendu votre intérêt personnel. Vous avez un bateau de drogue là. Vous parlez de non? Très clairement. Faut pas faire erreur tout non là-bas. Faut pas faire erreur. Non, pas faire erreur. Non, on va connaître. Faut pas faire erreur. On fini. Basé, monsieur, on fait erreur là. Ah, mais ok, d'accord, merci. Merci. Tu es si je veux. Depuis la soirée, on a fermé. Je veux dire, nous allons tirer ravitaillement. À partir de mes gros bonheurs. Tout site traditionnel, yo. Ben non, dis ça, on va nous côté bloqué là. Bah. Non, ou bien ravitaillement, il y a un côté qui pas prêt. Ravitaillement, dans le sens que, si vous machine, si vous motocyclette qui a passé, à coup moun qui peut acheter un petit manger, qui te l'a acheté, si vous petit marché qui l'ouvre, même si vous avez un moun là-dedans, mais qui te offre un petit bagage, parce que, à partir de demain, nous avons un coup de machia. Et, nous croyons que demain, bien dispensable. Pour tout leader présent. L'indispensable pour tout leader présent pour accompagner le peuple de la rue qui a tué. Il a tout annoncé à plat. Hein? Parce que nous clair à nos jeunes faire à négociation pour le gouvernement, son véritable bloc, de la poudre aux yeux, nous ne sommes pas intéressés et nous disons clairement. Il est trop tard pour que je vienne démissionner. Et nous dit, nous ne pouvons pas gommer pour une jeter Jovenel, pour la remplacer pour une même genre. Parce que quand il y a un monde qui a un doute ça, nous avons jeté Jovenel
n'a mettre capé sous pied un gouvernement de transition qui doit garantir justement possibilité pour nous poser base pour une nouvelle société. Côté, je ne dis pas, nous pas pour l'autre, côté pour nous assurer nous, pas pour l'école à 3-4 vitesses. Côté que, il y a des petits mouns depuis le fait, si tout est visé à nous-mêmes pour réussir, alors que des lots depuis le fait, nous avons visa pour condamnation, pour mendicité. Originaux condamnés. Yeah. Eh, si ça n'a pas l'air son système, qui te permet. Non, nous ne pouvons pas combattre les gens qui ont l'argent, nous ne pouvons pas tuer les gens qui ont la richesse, mais au moins, pour nous respecter l'idée que la majorité des gens qui ont droit à tout pour être capable de minimum pour vivre dans le pays. Nous ne sommes pas contre la richesse, mais nous sommes contre la misère. Et tout autant qui ont la richesse se comprennent que il y a des gens qui ont tout ça qui ont la on peut mettre au calévé ou un petit tout. Et là, ça, je ne vais pas condamner masse. Moun défavorisé, opprimé, il a présenté tête parce que vous êtes en retard pour comprendre l'histoire. Je dis à nous clair, nous avons un gouvernement, et un gouvernement autre que je m'y mets. Un gouvernement qui te permet que nous poser base une nouvelle société pour assurer nous, pour nous couper fâcher tout le monde avec pratique qui veut que, si vous êtes sous pouvoir, il faut venir voler, il faut venir piller. Nous avons rappelé, le régime de la côté là, c'est pour un régime qui est 2 ans et demi sous pouvoir. Vous avez un discours qui fait pas comprendre que nous avons gouverné contre Jovenel Moïse? Non! Nous avons gouverné contre un régime qui est le PHTK, qui est 7 ans et demi au pouvoir. Mm-hmm. Et pour chaque leader clair sur ça, nous avons un régime PHTK qui est 7 ans et demi sous pouvoir. En aucun cas, nous n'avons pas accepté PHTK pour aller à l'école, propose comme quoi la vie propose du paradis. Non! C'est un régime qui est au pouvoir. La continuité du pouvoir de Michel Martelly, c'est la mettre en cause là, c'est pas une question de Jovenel Moïse pour construire. Et avant nous dire salut, mettez boîte dans pied nous, femme, mettez pantalette nous dans taille nous, parce que demain, ce sera la bataille de Verdières, et ceux qui sont prêts à rester esclaves, que de la caillou. Mais ceux par contre qui veulent mourir en homme libre, eh bien, un cap de manquer pour nous gourmets. Merci à vous. Merci à Sad. Merci. D'accord, à Kassad. Et puis, à Timothée tout, d'accord, ça n'est plus dit. Parce qu'on a l'air sorti au bagan ou bagan là, ou bagan ou bagan, ou obligé de sortir comme ça, mais sauf quand tu vas là, mon point mis, ou obligé de sortir là. Commissaire Apmando, vous venez expliquer l'on tira. Et on ne se pas quand même ça. Ça fait ça. Non, on ne se pas quand même ça. Il connaît pas commander Alexis Cléus ça et on se la elle dit carrément l'autre Alexis oui mais pas Alexis Cléus et on se la comme ça il pas causé il pas causé il est pas on se la il faut c'est ton citoyen d'ailleurs et d'abord faut un commissaire combien fois les frites Michel comment est le nom de l'acteur professeur dans la faculté à Kounia? Maître Lorenel Louis, comment nous y est? Salut aux gens monards. Nous saluons Alexis de la studio ensemble avec vous. Nous saluons tous les soirs. Et puis nous saluons particulièrement tous les prisonniers politiques, tout le monde qui est victime dans cette série journée de protestation par rapport à l'ensemble des revendications sociales, population gagnée. Surtout, il a demandé pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir. Dis-nous ce qu'il y a pour vous. Nous connaissons un grand pile qui a visité la prison, le commissariat, sacré clé. Qui bilan rien? Très bien, Jamona. Nous sommes là, non seulement comme avocat de Saline, mais nous sommes fondamentalement par rapport à l'ensemble des mondes qui sont incarcérés injustement, illégalement, arbitrairement. Non seulement dans différents sous-commissariats, à commissariats, mais tout des mondes qui trouvent dans la pénitentiaire nationale, alors qu'ils n'ont pas passé devant le juge de paix, ni tout n'ont pas attendu dans le parquet, près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, ou sinon dans l'autre parquet dans le pays. Ok. Côté n'a parlé là à Jean Mouna, dans un premier temps, n'a dénoncé qu'ils une série d'attaques qui a fait particulièrement sur militants petites de Saline.
quitte nous prend juste dans au cap, eh bien, gagné ensemble de policiers calculé la Kaili, gagné si mon petit qui n'a Kaila, yo bombardé avec gaz lacrymogène, nous dénoncer situation ça. Quitte nous prend tout bab, tout le monde connaît qui sont gros militants petits de Saline et que yon fonctionnaire, yon employé dans le ministère de l'Intérieur, tiré, bon Dieu fait pour nous, monsieur Pamoui, mais il prend balle là, yon n'a pas choisi, nous dénoncer ça. Quitte nous prend tout, et les fêtes dans le greffier, yon gros allié petit de Saline, si yon pas de vigilance, nous yon pour nous dénoncer ça dans la 12 minutes. Au lieu de faire route commissariat ensemble avec lui, mais c'est route bol en mer, nous avons fait alors nous ne connaissons pas qui ça a fait, mais nous avons dénoncé à temps la situation ça. Et nous dit par rapport avec Kassayo, non seulement moi-même qui n'ai pas au prince, mais l'autre avocat petit de Salim dans tout le pays, eh bien, nous concertons ensemble pour nous capables de faire une plainte, eh bien, pour que ensemble de cas ça yo, ensemble de violations de droits humains ça yo, définitivement pour nous porter yo par devant la justice. Ça fait un. En seconde, oui. Alors, si vous m'avez pris, c'est Bob Sick qui fait ma prise, ma baille blague là, après mettre l'orinette là, fini. Oui. Ok. Très bien, Jean-Mona. Je n'ai pas avancé par rapport avec question bilan ou mandat. Oui. Effectivement, quittant sous commissariat yo, quitte la commissariat, yo, nous voulons parler des commissariats de Port-au-Prince, commissariat de Delma, commissariat de Carrefour, ensemble de commissariats, yo, yo pas qu'à camper mon encore. C'est des mouns qui ont arrêté injustement, que vous touchez mon ça, vous faites, c'est parce que vous répondez avec appel, vous êtes venu faire revendication au passé, soit pendant la manifestation, hein, soit pendant manifestation finie, pendant au bras de la caillou, eh bien la police a arrêté mon caillou de manière injuste, illégale et arbitraire. Généralement, ça remettait comme chef d'accusation par rapport à ensemble arrestation caillou, c'est trouble à l'ordre public, vandalisme, comme Guantadou, eh bien mon caillou, ou bien la police qui était notifiée par rapport avec yon parcours de manifestation, au lieu pour prendre responsabilité, yon, pour yon sécuriser ensemble manifestant yon, avec bien monde, mais c'est les gens qui ont manifesté, yon arrêté yon, et puis yon dit tout bas l'autre public, vandalisme sur la vite machine qui crase. Nous même nous pas dit si yon flagrance pour la police croiser le bras ou pour arrêter à regarder ça qui a passé. Mais c'est des gens pas gagné une pire situation de flagrance, yon arrêté yon injustement. Ça fait un. Eh bien, est-ce qu'on écoute n'a parlé là? Un ensemble de militants qui trouvaient dans la pénitentiaire nationale alors qu'ils n'ont pas attendu ou pas dans un tribunal de paix. Ils n'ont pas attendu ou non plus devant le parquet. C'est le nombre de militants, ça, on croit au nombre de 11. C'est vrai que nous parlons. Ils disent qu'on substitue le commissaire qui a embarqué l'autre bois comme ça. Nous même ça que c'est pas pour nous, parce qu'il y a des gens qui ont dit nous disposition qu'à prendre pour autant de monde, nous avons le bénéfice du doute, nous avons le coup de journée à l'hôpital bénéfice du jeu, pour être capable d'extraire mon saillot, pour être capable de tendre mon saillot, et nous même pour nous faire valoir droit, pour être capable de joindre la libération. Nous parlons de Jacques Mel après une manifestation. Jacques Mel, nous parlons de joindre un correspondant. Très bien, nous pas non, non, mais fini. Ok. Oui. Nous-mêmes, nous dénonçons ça parce que comprendre que des gens trouvent dans la pénitentiaire nationale, ils ne sont pas assistés par avocats, ou sinon, ils témoignent de leur choix, Jean Constitution dit, et puis au pénitentiaire. Ou est-ce qu'il y a une violation des droits humains systématique qui fait dans ce sens-là? Comment comprendre en plus des gens qui voient dans le cabinet d'instruction, ça est autant de eux. Et puis, nous sommes capables de pas de matière pour être voyés dans le cabinet d'instruction. Et on connaît le nombre de temps que ça prend jusqu'à ce que soit pour une ordonnance de non-lieu ou sinon des envois par rendre par rapport à la situation. Nous dénonçons cette situation ça et nous disons la police, revendication sociale, population a fait passer à,
Nous pouvons les concerner la police tout puisque à la vérité la police trouve la même catégorie sociale par rapport avec ensemble de monde. En plus, les la police victimes, nous gardons dans quelle situation ils recevront. Ils recevront généralement plus mal puisque les militants victimes généralement il y a des dameuses, nous jeunes sont appropriés. Mais nous on a gardé des policiers victimes dans quelle situation ils recevront. C'est pas digne de pour policiers victimes, non, mais c'est pour nous, qui est policier à victime, qui est manifestant victime, eh bien, situation ou pas trop bon passer ça. Comment policier a pas arrêté mon injustement par rapport à toute bagaille ça, yo. Nous même, nous avons lutté ça, quelque temps. Nous prenons courage, nous à demain et nous faisons travail ça avec pure conviction pour nous continuer à insister, mon yo, pour nous batailler, pour nous jouer une libération, mon yo. Et que nous avons pour nous rentrer la caillou. Non seulement ensemble de monde qui est incarcéré, soit dans le commissariat à la pénitentiaire nationale, mais nous n'avons pas oublier tout ensemble de monde qui est blessé, qui est sous cabane de l'hôpital. Et Mounsayo, dernièrement, nous sommes dans l'hôpital Benameuse, et bien n'importe quel journaliste capable de regarder. L'hôpital a été dépassé par les événements. Tellement de monde qui est blessé. Soit non seulement pas balle réelle, ou sinon pas balle caoutchouc, ouais, nous pouvons ça, ok, li par son situation qui est anormale, et bien li contraire, non seulement par rapport à la constitution haïtienne de 1987, mais li contraire tout par rapport avec ensemble de conventions ratifiées régulièrement par Haïti, surtout la Déclaration universelle des droits de l'homme, côté article 1er à même, li pone droit à la vie. Alors que ça nous est à fait là, yo, le contraire par rapport à droit à la vie. Ya. Ça nous tient à ce que nous dénonçons ces situations, ça, yo, et nous pas seulement arrêter dans dénonciation comme avocat militant. À la vérité, nous pourrions aller plus loin. Nous-mêmes, nous sommes à faire tout ça capable pour nous joindre des juges de paix qui pour faire constat légalement ça. Yo. Tout ou tard pour nous capable de porter dossier, porter pour nous porter. Par rapport à monde qui mourent, surtout Vladimir Fédé. La bataille pour autopsie cadavre ça capable de faire, et bien pour coupable, capable à répondre des actes très bientôt devant la justice. Parce que même s'il y a évidence, même si tout le monde essaye, c'est tel bacop qui tire, c'est tel policier qui tire, mais si le dossier a mal monté, l'arrivée devant le tribunal, nous connaissons que nous allons le classer, le mettre de l'autre côté, puisque le dossier a bien failli là-dedans. Nous-mêmes, nous allons prendre toutes les dispositions irrelatives à ce que le dossier soit bien monté et que devant le tribunal, eh bien, pour être capable de faire valoir droit Mounsayo, eh bien, pour être capable de jouer une justice à réparation. Notre situation, nous avons pour nous dénoncer, c'est par rapport à comportement de la police en général. Non pas quoi, inspection générale, qui c'est police des polices, après qui est différent par rapport à ensemble de violations systématiques ça yo. Nous quoi inspection générale là les gars à la tête li yon moun ki honnête nous quoi que ensemble des enquêtes cap dirigeante yo nous quoi enquête ça ou arriver dans boucho pour que ensemble de moun ki dans isolement pour dossier ça ou capable transférer devant la justice et bien pour pas que lui-même capable par son réquisitoire déformé pour être capable d'aller devant le cabinet de destruction, pour que ça soit capable de faire pour eux. Parce que, il y a un monde qui tire un monde, et bien, pas qu'elle est capable de faire tout le temps dans l'isolement. Il faut enquête la finie, oui. Et bien, pour que ça soit capable d'aller pour eux, côté pour eux aller. L'autre bagaille a dénoncé. Pour que ça, c'est 5 personnes qui étaient dans le bac-up qui tire Vladimir Fédéa, il y a 4 qui sont dans l'isolement, l'autre là prend la fuite, aucune disposition n'est prise pour être capable de joindre le monde ça. Pour être capable de jouer un policier, ça. Nous, quoi, par exemple, il y a quoi de vous faire dans la question, ça, nous-mêmes, non seulement nous-mêmes, nous engagons nous dans le dossier, dans massacre, la saline, mais ensemble des violations de droits, nous pas prêts à regarder, nous prenons courage nous à demain pour que, eh bien, nous, non seulement pour jouer une justice, mais pour que ce soit en général capable de confiance. Nous connecter et bien l'on nous font bagaille. La loi condamnée n'est pas prêtée impunie. Merci. Résumé, Jean Mouda. Merci. Oui, allô? Mm-hmm. Oui, mais conclue dans cette nouvelle, Jacques Mel, oui. En résumé, nous dénonçons ce plan macabre qui a fait sous militant petit de Salimio
et nous-mêmes nous prenons toute disposition pour nous porter plainte, non seulement Kababla, mais militants qui victimes au Cap Yotou, nous allons prendre notre responsabilité et nous dénoncer paquet pilates arrestations qui ont fait de manière illégale et arbitraire. Policiers, nous étions pour mal fini. Depuis qu'ils ont atterri, ils pas joué pour le propre. Pour que ça soit bon, si malheureux, ou la police n'a pas arrêté, ils pas même des côtés pour mettre. D'accord, M. Lorinel, il faut aller. Merci infiniment.